restitution des îles éparses, adoption de la proposition de loi 002/2020/PPL. Le Sénat a adopté lors de sa dernière session ordinaire la proposition de loi numéro 002/2020/PPL relative à la restitution des îles Glorieuses, Juan de Nuva, Basas de India, Europa et Tromelin et les attributions de noms d'origine malgaches et Madagascar d'après le rapport fait par le Comité national des îles malgaches. Les membres de ce comité, dont Arlette Ramarsson, James Ratzim, Joseph Hollande, René Rasselouf, ont fait le point sur l'avancement des travaux pour la restitution des îles éparses. Ils ont salué ces décisions du Sénat. Les membres du comité ont particulièrement remercié le sénateur Jafet Charadjiamanansou pour sa volonté de défendre devant ses pairs la proposition de loi numéro 002/2020/PPL. Cette proposition de loi stipule que les îles éparses reprennent leurs appellations d'origine malgache, notamment Nusambaja pour Glorieuse, Nuskel pour Juan de Nuva, Nusi Bedimag pour Basas da India, Nusiampela pour Europa et Nusand pour Tromelin. D'après l'article 3 de cette proposition de loi, ces îles font partie du territoire de Madagascar. Nusambaja, Kel et Bedimag intègrent les côtes ouest de la province de Mazingue, tandis que Nusand intègre la côte nord-est dans la province d'Antirane et Nusiampela dans la province de Toliara. Ces cinq îles disposent d'un statut particulier fixé par un décret.